Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin. Disciples reprirent ce qui les amenait. Bien-aimés, les disciples étaient des obstacles pour les parents qui amenaient leurs enfants à Jésus-Christ. Pose-toi la question maintenant, qui empêche tes enfants à rencontrer Jésus-Christ? Qui empêche tes enfants à recevoir les bénédictions de la part du Seigneur? Ah, lève-toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tous tes ennemis craindront le nom de l'Éternel, car le tonnerre frappera tous ceux qui influencent tes enfants à abandonner de servir l'Éternel des armées. Toute personne travaillant pour le compte du diable et de ses agents pour empêcher mes enfants de suivre le chemin du Seigneur, soit frappée de cécité, de surdité et d'égarement au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute main invisible du méchant, avec l'intention de piéger mes enfants dans son filet, soit amputé et carbonisé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les avions, les navires, les véhicules et les animaux diaboliques assignés pour transporter mes enfants vers les lieux du malheur et les éloigner loin des services de Dieu vivant basculent sur le chemin et qu'ils écrasent au nom de Jésus-Christ. Que tout conseiller représentant le monde des ténèbres auprès de mes enfants soit frustré et écarté loin de mes enfants dans le nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, garantis mes enfants des complots des méchants, de la troupe brillante des hommes iniques. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, vous qui craignez l'Éternel et respectez les principes bibliques, vous avez aujourd'hui le mandat pour proclamer la liberté et la délivrance de vos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Seigneur, je te présente les cas de mes enfants réclamés par le diable et ses sorciers dans la maison de mon père ou dans la maison de ma mère, ou de ma belle famille pour les faire échouer. Seigneur Jésus-Christ,
délivre mes enfants des autels familiaux que nos ancêtres ou parents ont dressés pour leur dieu. Seigneur, nous amenons nos enfants vers toi. Délivre-les de toute œuvre mauvaise. Éternel Dieu, délivre mes enfants des mains des hommes méchants. Préserve-les des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Parole de l'Éternel. Délivre mes enfants du contrôle des hommes forts et femmes fortes de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, délivre mes enfants de l'attraction des sorciers, des occultistes, au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre nos enfants des prisons sataniques, que ce soit dans les forêts, dans les mers ou dans les cimetières, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, quelqu'un apporte une mauvaise nouvelle à Job. Il dit, « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. » Bien-aimé, qui est derrière ce vent qui secoue la vie, la santé, le progrès et la paix dans les vies de vos enfants? Ah, personne n'apportera une mauvaise nouvelle à propos de tes enfants. Que l'Éternel Dieu arrête tout vent envoyé par le diable ou ses agents dans ton foyer au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, ne permets pas que le vent envoyé par le diable frappe mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que tout vent soufflé par le diable et ses agents pour écraser les murs de sécurité dans les vies de tous mes enfants soit arrêté et retourné vers son origine au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, que ton tonnerre absorbe tout vent de l'ennemi en direction de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout pouvoir, toute puissance qui a fait alliance avec le sol, avec l'eau et le vent pour affecter les vies de mes enfants négativement, soit affaibli, je te rends nul et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons briser, détruire et annuler toute alliance conclue par n'importe qui avec le monde des ténèbres qui aujourd'hui affecte et influence les vies de nos enfants. La Bible déclare, votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise la malédiction de la mort subite, de la mort prématurée sur les vies de nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je déchire tout manteau de la honte qui attire l'esprit de la mort dans les vies de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Je démolis tous les cercueils préparés pour les obsèques de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, aie pitié de moi. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève mes enfants des portes de la mort. Parole de l'Éternel. Je brise toute alliance conclue par la maison de mon père, par la maison de ma mère ou de ma belle famille avec le monde des ténèbres pour amener la mort dans mon foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous ceux qui cherchent à ôter la vie d'un de mes enfants aillent dans les profondeurs de la terre, qu'ils soient livrés au glaive et qu'ils soient la proie des chacals. Parole de l'Éternel. Que tout campement des sorciers et occultistes planifiant des attaques mortuaires contre mes enfants soit détruit par le feu dévorant de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, j'anéantis toutes les paroles prononcées, toutes les incantations faites pour introduire la mort sur la vie de chacun de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, je chasse tout esprit de la mort dans la vie de chacun de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Lamentations 5, 7 nous dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bien-aimés, les conséquences des péchés d'un homme peuvent se répercuter sur de génération en génération. Mais je vous annonce aujourd'hui, bien-aimés, Jérémie nous apporte la bonne nouvelle. Il dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité.
Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Parole de l'Éternel. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise toutes les malédictions héréditaires résultant des alliances maléfiques conclues entre la maison de mon père ou la maison de ma mère avec les serpents et qui aujourd'hui affectent la vie d'un chacun de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise toutes les malédictions qui sont sur mes enfants résultant au contact et alliances maléfiques que j'ai faites consciemment ou inconsciemment. J'ordonne à tout démon en mission permanente dans mon foyer pour exécuter les ordres de la maison de mon père ou de la maison de ma mère ou de ma belle famille pour surveiller mes enfants de sortir sans délai ni condition au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je brise toute alliance diabolique que j'ai contractée par ignorance avec les esprits des eaux par le canal d'une église ou religion associée à des esprits démoniaques et qui aujourd'hui attire les malédictions sur les vies de mes enfants. Toute alliance maléfique formée par n'importe quelle personne, morte ou vivante, afin de mettre sur la tête d'un chacun de mes enfants l'esprit de la rétrogression, brise-toi au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je brise le flux des malédictions héréditaires dans ma famille, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, geôlé par la maison de mon père, toi qui as reçu mission de la maison de ma mère ou de ma belle famille pour emprisonner mes enfants, je t'ordonne d'abandonner ton poste et de ne plus revenir au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Je lis tout esprit influençant mes enfants d'intégration dans des associations maléfiques et je précipite dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je lis tout homme fort, toute femme forte de la maison de mon père, de la maison de ma mère ou de ma belle famille qui retient mes enfants à ne pas s'épanouir dans leur vie. Toute personne avec intention maléfique qui poursuit mes enfants, je lis tes pieds et tu ne vas plus marcher. Je lis tes bras et tu ne sauras jamais les balancer. Je te précipite dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, informateur en permanence auprès de mes enfants, collectant informations au compte des associations de sorciers, que ce soit de ma famille ou d'ailleurs, je lis tes pieds, tes bras et tu ne vas plus bouger. Je bande ta bouche et tu ne vas plus parler. Je bande tes oreilles et tu ne vas plus écouter. Je te précipite dans la fournaise ardente. Sois brûlé et carbonisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, Marie ou femme de nuit, visitant mon foyer la nuit pendant que nous dormons, je lis tes capacités sexuelles. Je te lis ensemble avec tout instrument ou animal que tu utilises pour se déplacer. Je vous précipite dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Toute personne physique ou spirituelle qui batte ses pieds et ses mains pour maudire mes enfants, je lis ses mains et ses pieds, je la frappe de stagnation et elle ne va plus bouger au nom puissant de Jésus-Christ. Toi mangeur de destinées, toi mangeur des organes humains et toi mangeur de bénédictions, je te bande la bouche et je lis tes intestins, tu ne vas plus manger de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, « Voici, vous tous qui allumez un feu et qui êtes armés de torches, allez au milieu de votre feu et de vos torches s'enflammer. C'est par la main que ces choses vous arriveront. Vous vous coucherez dans la douleur. Que toute personne qui a préparé un feu étranger contre les vies de mes enfants soit trempée lui-même dans ces feux au nom puissant de Jésus-Christ. » Que la chair de tout mangeur de chair humaine qui planifie à s'approcher de mes enfants soit grillée par le feu de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute personne qui fuit les vies de mes enfants avec des torches enflammées sur leurs mains soit brûlée par sa propre torche, qu'elle couche dans la douleur et qu'elle n'ait pas du repos dans sa vie au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger.
Bien-aimés, que l'Éternel Dieu envoie ses anges auprès de nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu déclare, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Que l'Éternel Dieu envoie ses anges, que l'Éternel Dieu ordonne ses anges de garder nos enfants durant toute leur vie sur cette terre. Éternel Dieu, envoie tes anges vers tous mes enfants, comme tu l'as fait à Daniel. Qu'ils ferment les gueules des lions, qu'ils ferment les gueules des serpents, qu'ils ferment les bouches de tous les hommes forts et femmes fortes qui ont pour mission de dévorer et exterminer mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, je viens abandonner mes enfants sous le contrôle de tes saintes mains. À chaque fois qu'ils crieront au secours, attends leur cri et sauve-les de toute leur détresse. La parole de Dieu déclare, si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Éternel Dieu, Jéhovah Nissi, je confie tous mes enfants sous ta protection divine. Garde-les la nuit comme le jour, dans le malheur comme dans le bonheur, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, protège mes enfants et combat pour eux le combat visible comme invisible, et qu'ils ne soient jamais vaincus dans le combat spirituel, car ta parole déclare, l'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Parole de l'Éternel. Éternel Dieu, j'abandonne mes enfants sous ta garde, et que même s'ils marchent dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craindront aucun mal, car tu es avec eux. Que tous mes enfants soient protégés de toutes les attaques du diable et de ses agents, et de toutes les œuvres des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, faites des déclarations sur la vie d'un chacun de tes enfants et ceux qui n'ont pas encore des enfants, par la foi, déclare pour les enfants à venir tout ce que l'Éternel a planifié pour toute leur vie. La parole de Dieu déclare, ils ne travailleront pas en vain et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. Que l'Éternel nous protège, nous parents et nos enfants, afin que nous accompagnions nos enfants jusqu'à ce qu'ils seront grands. Je décrète et je déclare que mes enfants naîtront en bonne santé et qu'il n'y aura pas de maladie, pas de contamination de bactéries ou virus au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que mes enfants ne seront jamais atteints par les malheurs ou la malédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que mes enfants ne seront jamais emportés par les accidents et incidents programmés par les diables et ses agents au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes enfants prospéreront à tous égards et serviront l'Éternel. Que le Seigneur bénisse et protège mes enfants au départ comme à l'arrivée, au commencement comme à la fin de tous les projets qu'ils entreprendront dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que mes enfants ne mourront pas avant leur temps et ils ne mendieront pas leur pain. Je décrète et je déclare que mes enfants ne seront pas ballottés par les dispositifs de contrôle à distance façonnés par le diable et ses agents pour retarder le progrès de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Je déclare la victoire de mes enfants sur tout combat dans les rêves et sur tous ses effets dans leur vie tant physique que spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ. Je cache l'identité de chacun de mes enfants dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Que toute semence maléfique plantée dans la vie d'un chacun de mes enfants pendant leur sommeil soit déracinée au nom puissant de Jésus-Christ. Toute mauvaise semence implantée dans la vie d'un chacun de mes enfants soit brûlée, calcinée et évacuée au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déracine la malédiction des troubles, des menaces et de la délinquance implantée dans les vies de mes enfants par les diables et ses agents au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ déracine toute mauvaise semence implantée dans la vie d'un chacun de mes enfants
par les agents des ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Tout objet implanté dans la maison ou dans le corps de mes enfants pour faciliter la communication avec le monde des ténèbres soit évacué par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ neutralise et élimine de la vie d'un chacun de mes enfants tout poison du serpent, des scorpions ou de tout autre reptile que les agents des ténèbres utilisent pour infecter mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ, je décrète et je déclare que la cécité spirituelle soit déracinée de la vie d'un chacun de mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit derrière la colère dans les vies de mes enfants soit évacué au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit derrière la colère dans les vies de mes enfants soit évacué au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de la rébellion dans les vies de mes enfants soit déraciné dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de rejet dans les vies de mes enfants soit enlevé au nom puissant de Jésus-Christ. Tout esprit derrière l'échec, la honte et la disgrâce dans les vies de mes enfants soit effacé au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que mes enfants mangeront et se rassasieront et ils célébreront le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui aura fait pour eux des prodiges et toute la famille ne sera plus jamais dans la confusion. Parole de l'Éternel. Éternel Dieu, que mes enfants ne manquent jamais à manger et à boire et qu'ils aient les soifs de te servir et de te célébrer dans toute leur vie sur la terre. Car toi, Éternel Dieu, tu pourvoiras à tous leurs besoins selon ta richesse. Avec gloire en Jésus-Christ, parole de l'Éternel. Bien-aimés, déclarez et prononcez les bénédictions de l'Éternel sur vos enfants et utilisez le sang de Jésus-Christ pour écrire une nouvelle vie sur chacun d'eux. Nous avions lu avant que les parents ont amené les enfants vers Jésus. Les parents ont amené leurs enfants vers Jésus. Et dans le verset 16, nous sommes ici dans le livre de Marc, chapitre 10. Dans le verset 16, la Bible déclare, « Puis il ici c'est Jésus, puis Jésus les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Seigneur, tu as pris les enfants et les bénis. Je te présente mes enfants. Touche-les par ta puissante main et bénis-les selon ta provision pour leur vie. Seigneur Jésus-Christ, sauve nos enfants et faites-les entrer dans ton royaume céleste pour hériter des bénédictions d'Abraham, car eux aussi sont fils et filles d'Abraham. Que le Seigneur bénisse et garde tous mes enfants. Qu'il fasse luire sa face sur eux et les fasse miséricorde. Qu'il tourne sa face vers eux et qu'il leur donne la paix. Parole de l'Éternel. Éternel Dieu, dresse une table devant mes enfants en présence de mes adversaires, qui sont aussi leurs adversaires, et en présence de toute personne qui s'oppose ou osera à s'opposer à eux. Oint leur tête d'huile et que leur coupe déborde. Éternel Dieu, comble mes enfants de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous leurs besoins, ils aient encore en abondance pour toute bonne œuvre, parole de l'Éternel. Bien-aimé, la personne qui va se marier avec ton enfant pourra affecter son destin, car la Bible déclare, « Et les deux deviendront une seule chair. » Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Voilà pourquoi nous allons demander à Dieu d'envoyer son ange pour diriger nos enfants à trouver des bons partenaires pour leur vie. La parole de Dieu déclare, « Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Éternel Dieu, ouvre les portes de bénédiction pour mes enfants, qu'ils se marient et qu'ils aient des enfants, que tous mes enfants trouvent les partenaires de leur vie selon le plan de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient remplis du Saint-Esprit pour bien diriger leur maison,
et qu'il ne donne pas à Satan et à ses agents l'occasion de médire. Cher Saint-Esprit de Dieu, accompagne tous mes enfants dans leur mariage. Instruis-les avec leurs partenaires pour qu'il y ait l'harmonie dans leur maison au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Que personne, nous allons déclarer que personne fasse de la peine sur nos enfants, car ils portent les marques de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ sur mes enfants comme marque qui repousseront tout vent, toute tentation et tout agent du diable loin d'eux, au nom de Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ sur tous mes enfants pour nettoyer toutes les marques d'identification diabolique au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets le sang de Jésus-Christ dans ma maison, sur les portes, sur les fenêtres, sur les lits et sur les ustensiles que nous utilisons pour engloutir tout pouvoir laissé par le diable pour nous contrôler au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ couvre mes enfants durant leur sommeil et que leur sommeil soit doux. Amen. Que toutes les œuvres du diable dans les vies de mes enfants soient démolies par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. J'applique le sang de Jésus-Christ sur les routes, dans les parcs, dans les écoles, dans les boulots, pour anéantir et détruire tous les pièges que l'ennemi a tendus pour nous et nos enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie génétique dans la lignée familiale du côté de mon père, du côté de ma mère ou de ma belle famille affectant mes enfants négativement soit brûlée par le feu de Dieu et qu'elle soit évacuée de leur corps par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ efface toute écriture de la pauvreté sur mes enfants au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur le travail, sur les produits des mains de mes enfants, pour protéger leur carrière et que le sang de Jésus-Christ bloque toute ouverture qui donne ou qui donnerait à Satan et ses agents l'occasion d'agir dans les vies de mes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ici ma prière par le sang de Jésus-Christ, que le diable et ses agents n'arrivent pas à déchiffrer ou à voler ou bloquer nos requêtes au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, remercions le Seigneur pour tout ce qu'il vient d'accomplir pour nos enfants. Éternel Dieu, merci pour tout ce que tu viens d'accomplir dans les vies de nos enfants. Merci pour ta main puissante de délivrance. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta bonté, ton amour et ta grâce. Tu t'es fait humble pour élever nos enfants. Tu t'es fait pauvre pour les enrichir. Tu es allé sur la croix pour les sauver et leur donner du pouvoir sur tous nos ennemis. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta fidélité et ton assistance sur la vie de tous nos enfants. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffiable. Nous avions ainsi prié et nous disons tous Amen. Lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Longtemps tu as écouté les déclarations des hommes qui ne se sont jamais réalisées jusqu'aujourd'hui dans ta vie. Mais bien-aimé, je voudrais que tu comprennes qu'il y a quelqu'un sur qui tu peux compter. Quand il dit un mot et la chose s'accomplit, c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Voilà pourquoi je voudrais qu'on chante ensemble maintenant. Je lève mes yeux, nos mains levées maintenant vers le ciel. Alléluia, chantons ensemble. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Alléluia.
porte la sonne. C'est toi, Jésus, mon bouclier. C'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Que ta puissance, que ta puissance, yes, descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Alléluia. Pour t'adorer. Oh Jésus. Alléluia. Pour t'adorer. Alléluia. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Seigneur, nous levons nos mains vers toi pour t'adorer. Pour t'adorer. Oh Jésus-Christ, pour t'adorer. Nous t'adorons, nous t'élevons pour t'adorer. Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Adorons le Seigneur. Nous sommes là pour l'adorer.